Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le. Et vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance, et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez sur le globe terrestre. Et si l'Ipona Paul Kagame, c'est terminé. Voilà. Le président de la République l'a exprimé à la tribune des Nations Unies à New York à la 78e session de ce mois de septembre. Et encore, il l'a exprimé dans les différentes conférences et surtout au dîner de la presse organisé par notre ministre Patrick Mouyaya. Donc il a réalisé un exploit et le président de la République l'a dit que cette fois-ci c'est trop, 10 millions de morts, c'est trop. Et Kagame, en entrant avec son M23 en République démocratique du Congo, il a rasé tout sur son passage, donnant lieu à plus de 10 millions de morts. Bon, on dit plus de 10 millions, ça peut être jusqu'à 20 millions, parce que on ne connaît pas le chiffre exact, ça devrait être entre 10 millions et 20 millions. Et tout ça, c'est pour Kagame. Il a dit « c'est trop ». Et le président l'a dit, il n'exclut aucun scénario pour en finir une fois pour toutes avec ce monsieur-là, ce terroriste de Paul Kagame. Voilà dans l'extrait que je vais vous présenter de son discours aux Nations Unies. Je vais juste vous présenter la partie qui nous concerne plus particulièrement. Donc la partie où il demande le départ accéléré de la MONUSCO. Plus de 20 ans, c'est trop. Et il est superfétatoire de continuer à soutenir le maintien de cette force-là, de l'ONU. Il l'a exprimé, ça ne donne à rien. Ils doivent partir et nous laisser tranquilles. Et même l'EAC doit aussi partir. Hein. Donc, il a également parlé de l'agression par le Rwanda. Il demande des sanctions contre le Rwanda. Et il salue l'attitude des États-Unis qui ont rompu leur soutien au Rwanda, qui ont rompu leurs accords avec le Rwanda. Il a salué cela et il appelle d'autres nations à suivre le bon exemple des États-Unis. Voilà, chers compatriotes. Alors, il a parlé du M23 qui refuse le
le cantonnement. Donc, l'heure est à la guerre. Hein. Donc, tous les moyens, aucun moyen ne sera exclu. Hein. Donc, ça peut aller loin. Hein. Donc, je pense qu'il est temps d'agresser militairement le Rwanda pour en finir une fois pour toutes. Eh bien, chers compatriotes, je ne vais pas longtemps m'attarder là-dessus. Veuillez écouter vous-même l'extrait. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles? Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement, qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre 2023, sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel, des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves, susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres, qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet,
Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Bandeko Babolingo, Boyoki Binomoko, donc dialogue et kozalate na bango. Dialogue et kozalate na ba terroriste wana. Ba bomi, ba violeur, des pilleurs avec Paul Kagame. Que 2 millions et même des milliards, comme l'a dit le président, pillés dans notre pays. C'est trop, ça suffit. Donc il n'y aura pas de dialogue. Il n'a cessé de le répéter. Il n'y aura pas de dialogue. Donc, quelle est la conséquence? La conséquence est que, comme le M23 RDF de Paul Kagame refuse le cantonnement, et entre parenthèses, le cantonnement, ça veut dire, bon, ils abandonnent les armes, on les recense, on détermine qui est congolais et qui n'est pas congolais, celui qui est congolais part dans le cantonnement, et les étrangers, les Rwandais, les Ougandais, ils retournent chez eux, ils sont rapatriés. Mais ils refusent jusqu'à présent, imaginez-vous, ils sont là depuis 2022. Ils sont là depuis 2022, c'est trop. Tant que nous ne nous débarrasserons, oh là là, tant que nous ne nous débarrasserons pas de Paul Kagame, notre pays sera toujours victime des invasions du Rwanda. La preuve est là, ils ne veulent pas partir. Le Rwanda et l'Ouganda, quand nous disons le Rwanda, y compris l'Ouganda, le Burundi est maintenant de notre côté, il est presque notre allié là. Donc il est très important de comprendre maintenant que la guerre est imminente. On doit les chasser par la force, avant les élections. Bertrand Bissimwa l'a dit, qu'ils vont faire tout pour empêcher les élections dans cette zone-là. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut le faire. Les États-Unis les ont abandonnés. Après tout ce que le président de la République a prononcé dans différentes réunions préliminaires précédant son discours aux Nations Unies. Donc, il va sans dire que la guerre est imminente et que leurs mentors les ont abandonnés. Les États-Unis ont abandonné. C'est sûr que, comme les États-Unis sont à la tête de l'OTAN, ils vont dire à la France, c'est fini, trouve une autre solution. Il faut s'entendre avec ce monsieur-là par tous les moyens. Emmanuel Macron va le faire. Et cette guerre-là, nous allons la gagner. Nous allons gagner cette guerre parce que le peuple rwandais attend que la RDC les libère de cette servitude. Ils sont muselés, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas la liberté
d'expression. Ils sont esclaves dans leur propre pays. Ils sont domptés par un tyran. Nous n'avons qu'à essayer, nous attaquons le Rwanda. Beaucoup de scénarios se ressemblent. Hein. Mobutu était vomi. Au Congo, ils sont venus. Le peuple était avec ceux qui venaient, soi-disant, libérer les Congolais. Ben, ce sera la même chose au Rwanda. Si nous envahissons le Rwanda, le peuple rwandais sera de notre côté pour bouter dehors Paul Kagame. Tant que nous ne nous débarrasserons pas de Paul Kagame, moi cette fois-ci j'ai réussi. Tant que nous ne nous débarrasserons pas de Paul Kagame, il sera toujours là pour perturber la République démocratique du Congo. Vous savez combien ils ont gagné? Ils sont en train de percevoir les taxes en ce moment. Chers compatriotes, voyez, ce n'est pas normal. Maintenant, les pays du monde, je pense que les pays de l'ONU vont comprendre qu'il faut qu'ils soient de notre côté. C'est nous qui sommes les propriétaires de ces minéraux-là, qu'ils viennent piller chez nous. Voilà, chers compatriotes, on continue à écouter. La République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Le gouvernement congolais attend de la prochaine réunion du Conseil de sécurité qu'il accorde une attention toute particulière à sa requête et qu'il soit constructif dans la gestion du processus délicat et laborieux de paix dans notre pays. Voilà, c'est un message lancé envers ces puissances. Bon, avant cela, avant le discours à la tribune des Nations Unies, le président a lancé un ultimatum, un message décisif qui sonne comme un ultimatum. En fait, c'est un ultimatum envers le Rwanda. Kagame, là où il est, il tremble. Il n'est plus en paix. Parce que le président parle d'une façon décisive. Nous avons la possibilité... la possibilité de faire face à n'importe quelle attaque en ce moment. Il dit cela vu l'état dans lequel se trouvent nos phares d'essai maintenant, avec les armes que nous avons et les armes que nous avons pu acheter, que nous avons, les armes que nous avons acquises de nos partenaires. Voilà. Et il n'a peur de rien maintenant. Il ne peut plus hésiter d'attaquer le Rwanda parce qu'il y avait des accords entre le Rwanda et les États-Unis, des accords avec la France. Il paraît que si on attaquait n'importe comment, maintenant ces pays-là allaient riposter. Maintenant, nous sommes rassurés. Le président de la République a été rassuré par les États-Unis qui abandonnent le Rwanda. Donc, nous sommes un pays souverain. Maintenant, nous pouvons nous défendre et poursuivre même l'ennemi jusque dans son refuge. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Écoutez ce message et puis nous clôturons. Au du M23, j'aimerais vous dire que c'est un groupe de criminels qui est embarqué dans une aventure qui elle-même est criminelle, emmenée par M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. C'est parce que ce sont des criminels que nous n'allons jamais négocier ou entrer dans un dialogue quelconque avec eux. Je l'ai dit suffisamment, répété à plusieurs fois,
et je vous le confirme à nouveau. Ils ont commis beaucoup d'atrocités, et ils continuent d'en commettre d'ailleurs. J'espère que la justice internationale, un jour, qui est saisie d'ailleurs, un jour pourra mettre la main sur ces criminels. Je me réjouis d'ailleurs que, et vous remercie d'avoir posé cette question, parce que ça me permet de pouvoir ici, encore une fois, féliciter les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance, contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda... Le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons, ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Eh bien, nous avons entendu, chers compatriotes, c'est fini. Nous n'allons pas baisser les bras. Et s'il y ponaille, et s'il y. Il n'aura que ses yeux pour pleurer. Hein. Il va finir très mal, très mal. À l'obi, si que Dozan a capacité, il y a quoi affronter n'importe qui. Hein. Donc, venant de ces pays-là, quand il dit ça, il fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. Peut-être aussi, d'une façon globale, à ce qui s'appelle EAC. Et là, c'est les Kenyans, on sait. Quand on dit EAC en ce moment, c'est les Kenyans, le M23 et quelques Ougandais. Hein. Même pas quelques Ougandais, et les Ougandais. Donc, je pense que nous sommes déterminés. Il ne faudra pas que le président attende jusqu'aux élections pour faire partir l'EAC. Hein. Il faut qu'il parle très tôt, le plus tôt possible. Hein, parce que Bertrand Bissimoi a averti. Hein. Ils sont aux abois. Donc, ils disent n'importe quoi pour faire peur. Eh bien, le président a le feu vert maintenant. Donc, nous finissons, nous terminons par là, en rappelant que le président de la République, Fatih Béton, a humilié la MONUSCO, ou l'ONU, en disant à ces pays-là de se retirer de la République démocratique du Congo le plus rapidement possible, d'une façon accélérée, responsable, mais accélérée. Et puis, salue donc la fin du soutien des États-Unis au Rwanda et les sanctions contre le Rwanda et d'autres criminels. Il nous reste maintenant à nous à
à mettre un point final à cette guerre et à restaurer une paix durable dans cette partie occupée par le Rwanda et le M23. En fait, on dit M23, mais c'est le Rwanda. Voilà, bande konabiso babolingo, botika la malamu, tokokutanana ba émission oyo ekoya. On n'est pas là tous les jours, mais on intervient de temps en temps quand on peut parler. On est le peuple, hein. Voilà, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.